aujourd'hui sur le tout premier marathon de France, marathon qui se déroule à Cernay-la-Ville. On est le 5 janvier, on attaque l'année par un 42 bornes. Après les fêtes, les repas et les nuits courtes, c'est un joli challenge qui nous attend. Le problème sur ce genre de marathon, c'est qu'on rencontre souvent des gens un peu bizarres et un peu fous. Il y a par exemple une bonne partie du groupe Courir le Monde. Et j'ai la chance énorme aujourd'hui d'être accompagnée par On sait pas trop d'où ce délire de roi Philippe est arrivé. Mais aujourd'hui j'ai la chance d'avoir les deux avec moi. Et entre temps j'ai quand même réussi à refiler assez rapidement le virus du marathon à mon chevalier Alexandre. Le licornin est là. Allez, décompte. 5, 4, 3, 2, 1, go! Le cri du départ! Bonne course! Le temps qu'il faudra. Est-ce que c'est une bonne réponse? Ça va partir de suite. Je sais pas. J'en sais rien. 4h30. Ah bah on va suivre alors. C'est toi. Il paraît que c'est moi qui donne le rythme. C'est extra. T'excites là. Et là, en plus, on risque pas de la perdre. Ah, pourquoi? Même de loin, à repérer. Sur repérable. Ouais, bah ouais. Ils ont dit qu'il y avait du brouillard, qu'il fallait s'habiller en fluo. C'est vrai qu'ils ont dit ça, ouais. Ouais, moi, je suis dans le thème. Ah, ils ont dit ça? Oui, ils ont dit ça. Ah, oh, on va en doubler un, là. Attends, regarde, regarde. Oh, oh. Wouhou. Bravo. Ah, oh, putain. Attends, je suis morte. Moi, du coup, je retrouve Carole. C'est juste un plaisir énorme. Ouais, moi aussi. Trop content. C'est plus tard qu'on s'était pas vu. Et puis Rouen, je crois. Depuis Rouen? Bah ouais. Ouais. Non, non, depuis Rouen, c'est pas vu. Ah ouais, trop content. T'imagines, 4 mois sans se voir, on est perdu. Le nombre de messages sur WhatsApp. Je vous laisse imaginer. Il est au bandeau. Ah oui, parce qu'on a quand même reçu nos super bandeaux qui ont fait le tour du monde. Ils ont fait le tour du monde avant d'arriver en France, ce truc. Mais ils sont trop beaux. Je l'ai salé. Je vais vous zouiller les mecs, un truc. Regarde la fusée qui passe là. Wouhou! Vas-y, ça existe. Wouhou! Non. Oui, t'as vu les copains? T'as fait une très bonne performance. Tu mérites une récompense. Mais non. Oh, une date. Une date. Oh, mais écoute, merci énormément. Bon, allez. Oh, merci. Après, faut que tu je suis avec ça. Je finis pas le marathon. Attends, le monsieur m'a donné une date. Ah, c'est, en fait, c'est pour bouffer. C'est toujours pour faire une date. Ah, mais elles sont trop bonnes, tes dates. Date. Monsieur m'a donné. Non, t'as pas loupé de ravito, t'inquiète. Je sais pas, non, je crois que c'est le mec qui les a. Non, c'est le monsieur qui les a. Peut-être que tu t'as accès délirant. Vas-y. On va trop vite pour la mer. Attends, je vais aller courir avec lui, il a des bonnes dates. Allez, vas-y. Vas-y, on est bon là. Hein? Vas-y, est-ce qu'on va y arriver? Oh putain, on y arrive. Eh, ça c'est bon. Merci beaucoup, j'ai trouvé un taxi. Eh, je vais tous vous
rider. Excusez-moi, vous savez, vous pouvez porter plainte si vous voulez. Hein. Elle n'a pas le droit de faire des trucs comme ça. Porter plainte. Attends, c'est ma copine taxi. Le numéro de dossard, c'est le 25. Ouais, 25. Merde. Bon, je vais peut-être te laisser. Hein. Je vais peut-être continuer de courir parce qu'après, ils vont me balancer. Bah. Bon, vous pouvez me déposer à la prochaine station. En plus. Merci énormément, c'est trop gentil. C'est rigolo. Merci. Bon, c'est des faibles derrière. Regardez comment ils sont loin, là. Ils avancent pas, ils se traînent, c'est chiant. Hein? Ils sont chiants, c'est traîner. Deuxième. On est obligé de s'arrêter depuis tout à l'heure pour les attendre. Et ben nous, on monte pas sur un vélo pour récupérer. Qui c'est qui a fait ça? Ça se fait pas, ça. Tu viens pour un marathon, tu cours un marathon, quoi. Bon, bah mine de rien, là, on arrive à 10 bornes. Ouais. En 52 minutes, quoi. On va se prendre le mur dans la tête, un truc de dingue. Bon, et aujourd'hui, pour moi, c'est le jour du changement. C'est un grand changement dans ma tenue sportive. C'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas en Five Finger. Oh my god! J'ai osé tromper mes Five Finger. Oh, pour laisser place à mesdames les Ultra. On est toujours en drop zéro, mais avec un peu d'amorti. On va voir ce que ça donne. Mais mes failles me manquent. Hein. Dans ce groupe, qui va craquer en premier? En deuxième? En troisième? Petit point volontaire. Allez. Troisième? Quatrième? Ah, vous faites les bonhommes, hein? Vous avouerez pas que vous allez craquer. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ah ben nous, ça va. Et vous, ça va? Pour l'instant, à peu près. Allez, prochain ravitaillement dans 6 km. D'accord, merci. Bon, et Carole, elle est où? Elle est où, Carole? Arnaud. Carole. Faut pas qu'elle s'enfuit. Non. Faut pas qu'elle... Ah. Carole, elle a mal à sa cuisse. Et... T'arrêtes là? Oh non! Ouais. Carole, elle arrête. Voilà. Ça va toi? Ouais. Quel magnifique t-shirt. Ah ouais. Celui-ci, je l'aime et je l'admire. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Bon, quand je serai vieille comme toi. Sympa. Oh, tu vas t'en prendre une. Bon, il m'en reste pas beaucoup à courir. Hein. Aujourd'hui, c'est mon, je sais plus, 17e, je crois. Ça va, il m'en reste plus que 83. Ouais. Ça passe. 83 marathons dans une vie, c'est quoi? C'est rien au final. Pour deux ans, c'est fait. Bon. Voilà. Il y a 52 semaines dans une c'est année. Une donc techniquement, on peut en faire 104 en deux ans. J'ai perdu Choupinou et Alex. Mais ils sont loin. Mais je, vais... C'est comme les morpions, hein. Je vais les attendre. Ça revient toujours, c'est ça? Toujours. Tu
Bah je vous attends. Non, vas-y, avance. Moi je suis triste de plus avoir Carole. Tu me manques Carole. On passe le 30e en 2h50. Et voilà, le mur est arrivé. Il se bagarre là encore. C'est la bagarre des 10 derniers kilomètres là. Allez! Wouhou! Go, go, go! On est tous dans la même galère là. Se battre contre ces 10 derniers kilomètres. Et le parcours est vraiment pas évident. Parce qu'il y a du dénivelé. Bravo! Allez, courage! C'est super! J'ai fait le choix de rester avec Alex. Parce que finalement, c'est le premier marathon qu'on fait ensemble du début à la fin. Je me voyais pas finir là-bas devant toute seule. Oh, il y a Choupinou qui a essayé de me tirer. Vers le 4h. Maintenant, ouais, mon plaisir il est là. Dans le partage du marathon. Oh, j'aime bien des fois me coller des objectifs temps. Hein. Je pense que tous les marathoniens au fond d'eux ont un objectif temps. Que ce soit des marathoniens sérieux, c'est-à-dire qui préparent leur marathon et qui en font un ou deux l'année en visant un temps. Ou même les marathoniens un peu plus délirants, qui sont plus dans le cumul du nombre de marathons, de la découverte des parcours. Et des retrouvailles avec des copains les week-ends. Ils ont forcément à un moment un espèce d'objectif temps. Se relancer un défi. Pas le seul défi d'être finisher, même si c'est un très joli défi. Il va l'être finisher. On est sur le 5e marathon aujourd'hui. Hein. 5e en 5 mois. C'est pas rien. Le pauvre. Il aurait jamais dû y goûter il y a 5 mois. Tout ça, c'est de ma faute. Alors du coup, pour me faire pardonner, je reste. Je suis désolée, mon licorne. Yeah! Wouhou! Attends, on a couru super vite! On est juste derrière les 2h35! Oh, alors! Wouhou! Le 2h35 au marathon, on est où là? Non. Non. Au semi. Ah, au semi. 2h35 au semi, on avait dit, ouais. Et alors, il s'est bien passé? Ouais. Ouais. Ça s'est bien passé jusqu'au semi en fait. Ouais. C'est ça. C'est depuis, le marathon. Il y a un mur, mais fait par des maçons. Des gros maçons. Ah. Et ouais. D'accord. Ça va le faire? Bah oui, on a la fin là. Eh oui. Allez, clic, clac, boum, on relance. Clic, clac, boum. Non, je vais vous dire un gros truc. Faut que je sois plus un individu. Je veux qu'il m'enlève de moi. Je veux qu'elle m'enlève de moi. Je veux qu'elle me sorte de moi. Je veux plus supporter plus rien. Je veux qu'elle me fasse un miracle. Une action miraculeuse. Je parle même pas physiquement, mais viens jamais à tout. Faut qu'elle me sorte de moi. Ça, c'est pas possible. Personne peut se sortir de toi. Personne ne peut se sortir de toi.
final de la médaille, remis par une si jolie jeune fille. Merci beaucoup. Ah, je l'ai déjà eu. Merci. Oh, j'adore ça. À la Bédassaï, j'adore ces trucs-là. How are you? Super fine. Are you super, bon, so good. Super RP. Super RP. Super RP. Super RP genre 3,51. Eh ben, putain. Ouais, je suis content. Et sinon, t'as fait 42 km ou non, 37. C'est pas ah ça. Oui, c'est ça. C'est cette bière-là que vous nous servez au moins, parce que je suis en train de la présenter, mais. Exactement. La barge. Donc voilà, vous voyez. Brassée à Rambouillet. Brassé à Rambouillet. Presque voilà. D'ici précisément. Ça a été créé par ce monsieur, faut le filmer. Voilà, le créateur de la bière, que je vais prendre plaisir à déguster. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bah, bravo. Parce que t'en as chié ta race, mais t'as rien lâché. Ah bah là, tout ce que j'ai couru, je me suis promis. Alors je sais pas si c'est parce qu'on vient de courir et que souvent quand on court, tout ce qu'on bouffe c'est le meilleur du monde. Elle est bonne. Mais là elle est très bonne. Elle a un bon goût. Merci beaucoup. On va repartir avec un fou. Parce qu'en fait, on a parlé de la bière, on a parlé de l'arrivée. Le parcours est quand même pas évident du tout. Il est bien vallonné. On a eu la chance d'avoir un beau temps. Et alors moi je trouve que ça, elle est juste magnifique. Je vous la mets là sur un coin de l'écran pour que vous la voyez de près, mais elle est juste magnifique cette médaille. Et du coup, on est aujourd'hui, on fait partie des premiers marathoniens de France de 2020. Voilà, donc on commence l'année 2020 avec un marathon qu'on fait en 4h15, ce qui est un temps plutôt bien. Et 2020, bah du coup, ça s'annonce un peu... Il va y avoir des belles aventures. Et pour toutes ces belles aventures, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!